Le cinéma. Yo les potes et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des émotions au cinéma. Voyez-vous, j'avais très envie de vous parler de ça et de faire cette vidéo parce que hier on a fait un petit débat, etc. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait de ça parce que quelque part, c'est la base même, c'est l'essence même du cinéma. D'abord, pour se recentrer et comprendre ce sujet qui est grand, grand, très 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 grand, nous allons juste détailler un petit truc. Je préfère vous le dire d'avance, hein, vous inquiétez pas, cette vidéo ne s'adresse pas, ça va pas durer 25 minutes, c'est pas un truc de malade. Alors, le premier truc que je souhaite dire, c'est que rappelons-nous ce qu'est la définition d'un art aux yeux légal, hein, aux yeux de la mentalité de tout le monde. La définition de l'art, c'est une forme de quelque chose, peu importe, d'accord ? Une forme d'art, donc c'est une forme de peu importe ce que c'est. En tout cas, ça véhicule un message, d'accord ? C'est en cela que, par exemple, les jeux vidéo, c'est de l'art, que la peinture, c'est de l'art, que, en fait, toutes les choses qui véhiculent un message peuvent être apparentées à des œuvres d'art. Ok, donc ça, c'était la définition légale, la définition classique qu'on connaît tous, ok, soit. Mais est-ce que pour autant, tous les films véhiculent des messages? Ah, commençons par ce principe-là, cette question-là. Je vous préviens d'avance, les amis, cette vidéo va être très philosophique. Commençons par ce principe-là. Alors, si on part du principe que chaque personne est différente et que personne n'est le même, qu'on applique un doute permanent, un doute systématique, hein, c'est-à-dire qu'on a tous des pensées différentes, on n'est jamais dans le vrai. C'est-à-dire qu'en fait, une information sur un humain n'est jamais la même sur un autre humain. Donc, c'est jamais vrai, quoi qu'il en soit. On est d'accord. Donc, tout ce que je vais dire à présent n'est jamais que faussement vrai. On est d'accord. Tout, l'entièreté de cette vidéo est fausse, hein, on est d'accord. Ou incorrecte. Et donc incorrecte, donc fausse. Enfin, t'as compris. Alors, du coup, le fait est que, comment savoir, en partant de ce principe-là, est-ce que tous les films véhiculent des messages? La réponse est bien entendu oui. Oui. Pourquoi on peut dire qu'elles véhiculent des messages? Pourquoi 100% des films véhiculent un message? Parce que 100% des films véhiculent des émotions, émotions qui sont différentes pour chaque personne. Parce que comme on l'expliquait juste avant, on est tous différents. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant avec le cinéma, c'est que c'est un des rares supports d'art qui peut vous englober plusieurs sens. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a très peu de formes d'art qui permettent d'avoir autant de supports, c'est-à-dire un support visuel et à la fois auditif. C'est très rare. Et en même temps, il y aurait même un truc un peu plus méta dans le cinéma avec des valeurs de plan qui sont très visuelles, qui nous permettent d'aller vraiment loin dans notre tête des fois. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être devant un film et de vous dire waouh. Par exemple, moi, quand j'ai vu pour la première fois Enter the Void, à la fin j'étais scotché, je pouvais plus bouger tellement le trip était violent pour moi. C'était un choc culturel maximal et absolu, et c'était vraiment génial, c'était un truc de malade. Et ben du coup, pour se concentrer à la question, si tous les films délivrent un message, c'est parce que tous les films délivrent des émotions. Pas toujours pour toi ou pour moi, peut-être que tu n'aimes pas ce film-là et que moi il m'a fait vibrer. Mais c'est tout le concept du cinéma, c'est que chacun a ses goûts, chacun a ses particularités, chacun a ses préférences. Et c'est ça qui est très intéressant avec le monde du cinéma. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ces émotions pour essayer de mieux comprendre pourquoi les émotions au cinéma existent et pourquoi elles fonctionnent humainement parlant. Pourquoi sociologiquement parlant ça fonctionne? Pourquoi ça marche? En faisant des recherches un petit peu classiques, en 135 minutes, le premier truc qui peut nous venir à l'esprit, c'est l'expérience. Pourquoi quelque chose nous émeut mieux plus qu'une autre? Eh ben, c'est notre expérience. Tout d'abord, quand on va voir un film au cinéma, si on prend par exemple A et B, c'est l'histoire d'un film qui parle, je sais pas, d'un enfant qui est adopté. Si A n'a pas été adopté et que B l'a été, B aura sûrement beaucoup plus de sentiments et vivra beaucoup plus intensément le film que A. C'est tout bête, on est bien d'accord, tout le monde a compris cette logique-là. Pourquoi? Parce que A n'a pas été adopté et que B a été adopté. Ça nous parle directement, c'est l'expérience. Mais c'est là où il y a un phénomène très intéressant et très subjectif du cinéma. C'est que parfois, même un film qui n'a aucun rapport avec votre vie ou avec votre expérience peut vous rappeler votre propre histoire. Et c'est là où on rentre dans le domaine du message. Le message, c'est ça. Le message, c'est pas forcément ce qui vous est délivré sous les yeux, c'est ce qui est sous-adjacent à ce message initial. Je crois que dans la vie normale, le terme, ça s'appelle le message subliminal. Alors, je suis pas en train de dire que tous les films disposent et possèdent de messages subliminaux, c'est pas ce que je dis, mais néanmoins, est forcé de constater que beaucoup d'entre eux et beaucoup de réalisateurs ont de base des choses à dire, des choses qui leur est propre, très internes, parce que tout part de là. Au final, c'est parce que les réalisateurs ont des choses à dire et des messages à écrire, les scénaristes, etc. Et que toutes ces histoires, elles sont pas là juste pour simplement divertir. Même si c'est le cas, il y a pas mal de réalisateurs, on peut citer plein de réalisateurs popcorn qui sont là que pour divertir les gens, et ils adorent ça et ils le font super bien, et merci à eux. Mais
Dans la plupart des cas, on a des préfabriqués d'idées derrière la tête, les grands réalisateurs de films à chaque fois, et je dis on parce que tous ceux qui écrivent des histoires, vous, moi, tout le monde, on a tous des idées derrière la tête. Lorsqu'on écrit une histoire, on a tous envie de lui faire passer un message, on a tous envie de lui délivrer quelque chose qui soit intéressant à entendre. Par la suite, à l'intérieur, on a tous envie de savoir. Et justement, c'est tout le concept de ça. C'est que lorsque vous allez voir un film, ce fameux message que le réalisateur a décidé de vous dissimuler de manière subtile, en général, et très, très subliminale, et bah qu'est-ce qui va se passer? Et bah vous allez peut-être ressentir le choc avec ce message vis-à-vis de votre expérience. Alors qu'à la base, vous n'étiez pas du tout parti pour, ou que même, vous n'avez aucune expérience avec. Peut-être, ça peut arriver aussi. Et c'est ça qui est très, très, très intéressant au cinéma. Alors, je voulais parler de ce sujet parce que récemment, je me suis posé la question, est-ce que si des personnes n'aiment pas un certain type de cinéma, pourraient aimer un autre genre de cinéma grâce aux émotions, grâce aux messages? Est-ce que vous, qui n'aimez pas les drames complètement maniaco-dépressifs français, hyper indépendants, hyper branlettes intellectuelles, pour ceux que, voilà, ça... Je sais que c'est beaucoup le cliché qu'on donne. Si vous n'aimez pas ça, est-ce que peut-être vous pouvez aimer les messages qu'il véhicule? C'est une bonne question, les amis. Et c'est justement la question qu'on va se poser dans la prochaine émission, qui sera un petit peu aussi philosophique à cette manière-là, qui sera un peu une analyse. C'est pourquoi le cinéma de genre? Pourquoi, en fait, certaines personnes sont plus attachées au cinéma, à certains genres. Donc, en fait, si on part de l'émotion au cinéma, qui était le sujet initial de cette vidéo, qu'on traverse toutes ces choses-là, l'expérience, les messages, la forme d'art, la manière de le véhiculer, etc., on arrive au genre. Pour cibler encore plus, on arrive à ce sujet-là qui est le genre. Pourquoi X ou Y personne va préférer tel ou tel genre? On arrive à ça et on va essayer de décortiquer ce qui se cache derrière les genres cinématographiques dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'après ça nous emmènera au style, etc. Je ne sais pas. Écoutez, c'est une vidéo d'essai, hein. C'est un essai vidéo graphique, hein. J'espère que ça vous a plu. On a parlé des émotions au cinéma. Moi, ça m'a beaucoup plu en tout cas de parler de ça avec vous, parce que je trouve ça très important. Et je sais que c'est très léger, parce qu'en réalité, ce genre de vidéo, ça pourrait durer des heures. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures. On pourrait parler de cas, d'exemples et de toutes ces choses-là pendant des heures. Ce serait vraiment très intéressant. Mais malheureusement, je pense que vu que c'est un essai, on reviendra sur le sujet un peu plus tard avec une vidéo un peu plus longue dans laquelle on va présenter pas mal de choses, je pense, que ce soit encore plus intéressant. Là, c'est vraiment une analyse personnelle. Je rappelle que c'est totalement objectif, et comme je l'expliquais depuis le début, cette vidéo est absolument fausse, hein. Elle est complètement, complètement fausse, puisque elle est au moins, même si elle était 99,9% vraie, elle serait toujours fausse, absolument fausse, puisque il y aurait 0,1% de faux dans cette vidéo. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente journée, j'attends vos commentaires, hein, juste en bas, et j'espère que ça vous a plu. On va débattre ensemble de tout ça, donnez-moi vos avis à ce sujet les amis, ça m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente nuit, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.